Yo, bande de rouges, c'est Dark Moon et aujourd'hui, on se retrouve. J'ai presque honte, hein. Sur ce jeu, The Purring Crest, hein, wow. Avec le chat qui se lèche les couilles en arrière-fond, enfin, sur le, en arrière-plan, pardon. C'était absolument magnifique. Merci, monsieur le chat. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, j'ai trouvé ça. Ouais, en plus, il remet ça. J'ai trouvé ça. C'est sorti il y a 2 jours, hein, donc c'est vraiment tout neuf, hein. Je vais. Merde, non, 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 non. Je continue parce que j'avais commencé un petit peu. Donc c'est sorti il y a 2 jours. C'est un jeu de plateforme en 2D. On va aller sur le niveau 2. Je ne l'ai pas fait. On va commencer tout de suite. Hop, rapprocher. J'espère que le son sera pas trop moisi. Hein. C'est sérieux, c'est la première fois que je tourne avec ce PC. J'ai pas de PC. C'est pour ça que je tourne sur ce genre de jeu, hein, tout simplement. Et donc, voilà, le but du jeu. Alors, le but du jeu, je pense moi-même n'avoir pas compris. Je voulais voir si les pommes qui me tombaient sur la gueule, ça me faisait mal. Par contre, les pots, je pense que. Ouais, très bien. Comment dire? Pourquoi j'ai joué à un jeu pareil? Je me le demande encore. Hein. Par contre, si tu pouvais t'arrêter, merci le chat, ça me ferait plaisir. Donc je me demande encore pourquoi je joue à ce jeu. Mais en tout cas, ça m'a fait marrer. J'ai fait, oh putain, le chat du délice, le chat de l'amour. Donc on joue avec ce petit chat. Donc quel est le but de ce matou? Eh ben, c'est de retrouver son maître, tout simplement. De toute façon, on s'en fout. Ah, sa mère. Magnifique son de chat. On s'en fout après, de toute façon, parce que c'est pas un jeu que. Je joue ça parce que c'est drôle, parce que ça me fait marrer. Et on va essayer de rush le niveau, parce que je vais pas faire 20 minutes, enfin 35 minutes de vidéo pour un jeu pareil. Hein, je pense que. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tab. Can drag object. Ah, ok, d'accord. Donc on peut prendre le bordel et l'emmener là-bas. Oh, il y a du beau jeu. Là, je pense. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est à peine long. Hein. C'est vraiment que ça. Non, non. D'accord, donc. Non. Voilà. Bon, j'ai 15 F. Non, j'ai 30 FPS. J'étais en train de regarder mes FPS, j'ai dit, mais. Si j'ai des chutes de FPS sur des jeux à la con comme ça, c'est que. Ben. Enfin, j'ai peur, hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Pas de ce genre de jeu, mais de petits délires, hein, comme ça, que je me tape tout seul dans mon coin. Parce que oui, ça fait mal quand même de ne pas avoir de PC pendant, ça fait quoi, 2 semaines. Donc, ah, vous me voyez pas souvent. Et c'est pour ça, hein, la plupart du. Ta mère. Oula, fais pas. On va lui mettre un coup de patate. Tiens, dans ta gueule. D'accord, donc c'est un chihuahua, mais c'est un méchant chihuahua. C'est-à-dire qu'on peut pas lui griffer sa gueule. Très bien, je viens de comprendre le principe. Donc, ouais, dans le premier niveau, il y avait des chiens, mais c'était des Doberman, le bordel. Donc vous comprenez que bah il faisait un peu plus peur qu'un chihuahua de merde. Donc à chaque fois qu'un chien vous saute dessus comme ça, ça vous nique tout simplement, ça vous renvoie au checkpoint, donc les espèces de petites bobules de trucs de chat. Hein. J'ai pas vraiment les mots pour désigner cette connerie. Donc on va passer par là. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça m'a l'air plutôt safe, tout simplement. Je suis pas le joueur de l'année sur ce jeu, hein, je tiens à le dire. Oula. Hop, on peut récupérer même le petit poisson. Les petits yeux s'arrêtent, hein, on va pas se mentir. On va pas se le cacher. Et voilà, un petit checkpoint. Voilà, je viens d'activer le checkpoint. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Herman. Jorman. Attends, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un coup à jouer. Là, on va pas se mentir. Ah, sa mère. Il y a un coup à jouer. Vas-y, mets-toi le chat. Ah, sa mère. Bon, ça passe. Donc, on s'en fout. Et on va jouer tout simplement con. D'accord, merci. Ouais, merci, merci. What? L'arbre? La texture du bordel? Absolument délicieuse. Je vois pas. Ah, si, peut-être par là. Ah, d'accord. Ceci était le meilleur saut. Ouais, donc je vais pas vous faire une vidéo super longue parce que c'est inutile tout simplement. Hein, je vais pas. Sérieusement, je pense que déjà 20 minutes c'est déjà un saut. C'est même trop. Donc, je sais pas, par contre, là, faudra m'expliquer comment on grimpe. Hein, parce que je vous aime bien, les mecs, mais. Mais je crois que c'est en faisant. Attends, hop. D'accord, merci. J'aime me faire rouler dessus.
comme ça fera me... Non, j'ai dit pas sauter. Pas sauter. D'accord, je saute inconsciemment dans ma tête. Je suis quelqu'un comme ça. Bon, allez, nique sa mère. On s'en tape les couilles. C'est pas que ça m'a gavé, mais bon. Ouais, donc j'ai vu ça sur le Steam. Merde, culé. Comment on est censé le niquer? Ah, le machin qui clignote. Du coup, on peut se cacher derrière des objets. Hein, c'est très fufu comme méthode. Hein. Je vous avoue, mais ça quand même. Ça. Bon, c'est très chiant en fait d'attendre dans un putain de buisson. Oh, putain, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou, mais rassurez-vous, tout va bien. Yes. Oh, caché dans le pot de feu. Oh, ne serait-ce pas le meilleur des chiens? Oh, qui êtes-vous? Oscar? Le blind cat, d'accord. Alors, je suis Oscar. D'accord, la dernière fois c'était écrit en français, mais apparemment pour le niveau 2 ça marchera pas. Le petit, ok, d'accord, donc là il m'informe qu'il y a un chat qui s'est perdu, donc si je le trouve, et ben ce serait sympa de le libérer, parce qu'il y a des chats en cage aussi. Peut-être qu'un jour je finirai ce jeu, mais voilà, je voulais pas vous faire un let's play sur ça quand même. J'ai un minimum de respect envers moi et envers vous. Hein. On restera sur une vidéo de délire, une vidéo tout simplement de l'amour. Hein. Et oh putain. Allez, putain de chat, tu me racontes ta vie. Ouh, mon ami. Merci. Il m'a donné le contrôle du chat. Du choix, n'est-ce pas? Oula, alors, du beau jeu. Alors, pourquoi je... Ah, d'accord. C'est-à-dire que le jeu, tout à l'heure, m'a dû me pisser dessus. Je pense. Comme dirait Tata Simone, il t'a pissé dessus, ce connard. Et, heureusement qu'un chat retombe toujours sur ses pattes, hein, je vous le rappelle, les amis. Pour ceux qui ont des connaissances... Oh. Ouh, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou. Avec un petit fossile. Attends, est-ce que je peux... Non, j'ai pas de souris, d'accord, merci. Ce qui paraît logique, de toute façon. Oui, donc c'est le jeu du Neko, en fait, parce que je m'aime bien faire chier Xa avec les Neko. Et donc, bah là, j'ai juste trouvé le jeu pour le casser les couilles. C'est... C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, en fait. Au début, c'est pour faire chier Xa. C'est ça, c'est marrant. Ça fait marrer. Oh, putain. Oh, il y a moyen de se prendre des grosses décharges. Mais le problème, c'est que RT. Bon, nique sa race. Nique sa race. Oula, calme-toi. Oula. Oh. Oula. D'accord. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'étais champion du monde de tapage sur grenouille. Tu peux pas tester. Putain, attends, je tabasse des grenouilles. Biohard, de 4, hunter. Oula. Donc là, on peut. Bon, on va prendre le checkpoint. Admirer cette magnifique axe anglais. On va revenir sur nos pas. Sur nos patounes, je dirais même. Plus sérieusement. Déjà, lui, il me chatouille l'œil. Non, y'a rien à faire, je suis un peu trop bas. De toute façon, c'est pas là que le choix sera. Parce que. Ouais, enfin, oui. Bon, bah, nique sa mère le chat, on s'en fout. Oh, ah, sa mère. Est-ce que si ça me tombe sur la gueule? Oui, donc, petit problème. Alors, on remplace le PC. Petit problème d'enregistrement, malheureusement, mais ne vous inquiétez. Ta mère. Oula. Allez. Oula, lightbox plutôt pas mal. Ah, d'accord. Donc vous voyez ce que ça fait quand on meurt. Je veux continuer, oui, c'est une option que je suis prêt à vouloir. En fait, je sais pas si... Attendez que je dise pas de conneries. Voilà, on continue. Donc, hop, j'avais fait ça avant, normalement, mais ça m'a retruqué. Ah, voilà, bon. Il y a le chat qui est là, qui a un œil un petit peu à la snake, on sait pas trop. On s'en fout. Non, par contre, si, merci.
Hop, voilà. Donc, voilà. J'en étais à peu près à là. Donc, je suis désolé pour ces petits soucis. De toute façon, c'est vraiment à l'arrache, hein, aujourd'hui. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Oula. Déjà, vous devez entendre mes bruits de clavier qui doivent être absolument horribles. Je suis désolé, mais de toute façon, on s'en fout, hein, c'est pas pour la qualité du jeu aujourd'hui. Par contre, tu fous, oh putain. Ça va me casser les couilles. Et je voulais monter, mais je pense que je vais faire un gros tapage de couilles. Et c'est très chiant à manipuler. Je vous invite à. Non, pas acheter le jeu parce que pour 8 euros. Enfin, pour. Ouais, pour 8 euros, il me semble. Ça en vaut pas le coup et nique sa mère. Ils ont s'est enculé. Ou j'ai pas vu le frog. Le Foggies. Mais. Si. D'accord. Le chat qui fait des sauts de dingue. C'est. Je sais que c'est un. Ouh, des taupes! On ne saurait pas la suite de Top Gun? Allez. Je sais pas si je. Ouais, j'étais en train de me poser la question. Et Ah d'accord, donc là je suis obligé de monter aux arbres. Je pense que je vais tuer quelqu'un. Parce que bon, les petites aloe vera là. C'est pas des aloe vera, hein, mais bon. Ça y ressemble fortement. Quel connard! L'attention est à son comble. Allez, ça rase. Voilà. Donc, c'est des taux plutôt un peu de thug. Ah, oui, faut mettre des coups de papate. Là, les copains. Ah, oh, ça rase. Ah! J'y crois pas. On va continuer encore. Hein. Comme quoi, vous pouvez faire enculer même par des taupes. Et des plantes de merde. Autant se prendre maintenant. Miaou. Miaou. Vous admirez d'ailleurs le chien, c'est bien fait. C'est plein une flat. Une patte. Bla. Bla. J'ai fait parler. Une plateforme, petit chat. C'est. C'est rien. Techniquement, tu devrais être au sol, mais bon. Oui, donc il est dispo sur Steam à 8-10 euros. Je sais pas le prix exact. Oh, et puis merde. M'a gavé. Je sais pas le prix exact du bordel, mais je sais que c'est pas donné hein, pour ce que c'est. C'est pas l'année. Et non, clairement pas. Hein. J'étais en train de me dire, ça va. Il y a des jeux 2D merde encore plus mal fait que ça, mais je vous avouerai, mais. Allez, saute petit chat. Il y a des jeux 2D dégueulasses hein, de nos jours. Comme il y en a des magnifiques, hein, bien sûr. Attendez, il y avait quoi comme jeu? Ah bah Matt a fait Ori and the Blind Forest. Enfin, je l'avais commencé, mais j'avais jamais eu le goût de finir. Parce que je suis un connard. Je suis juste un simple connard. Mais si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller regarder ça sur la chaîne. J'aurais dû continuer d'ailleurs ce jeu. Il était plutôt pas mal. Et là, c'est vraiment. Ouais, ça c'était vraiment du. Si t'as de la chance, mon gars, t'as de la chance, mais. Par contre, ça, je vois pas comment j'aurais pu sauter aussi loin. Là, j'ai 2 vies. Va falloir faire très très gaffe. Par contre, si tu pouvais te barrer, merci. Ah, c'est bon, j'ai perdu. Je vais mourir encore une fois. Barre-toi, la putain. Voilà. Je sais même pas si je finirai le niveau en fait, The Goo, je fais juste ça pour ma. À la manière de me détendre, hein, tout simplement, histoire de fournir du contenu. Parce que même si j'ai des excuses, des fois, j'ai envie de proposer un peu de contenu. J'ai vu le trou, hein, ça mène juste en bas avec la chatte. Donc c'est un chat. C'est un chat, c'est une chatte. Et là, faut que je fasse gaffe à la Froggy. Voilà, qui est là. Donc, dans les limbes, tu iras. Voilà. Ça, c'est roi. D'accord. Elle a tapé un truc de folie. La Foggies, elle est partie. Elle est partie dans un autre monde. Un monde délicieux. Et attendez, merde. On a 7 vies de base. Un chat, c'est pas censé avoir 9 vies, une connerie comme ça?
Parce que là, attendez, ce sont des vraies interrogations que je me pose hein, en ce moment. D'accord. Merci des Xbox. Des box, pas des Xbox. Non. Miaou. Je pense qu'on n'est pas censé sauter directement. Alors là, c'était vraiment très chou. Oh. Donc là, c'était très chaud. Là, ça m'a repoussé, donc je suis plutôt déçu. Allez. Voilà. Une petite. Voilà, donc là, je suis plutôt content aussi de ma connerie. Bah, bouge. Je l'ai vu, la petite. Voilà, checkpoint. J'ai un de vie, je suis plutôt content. Je propose même de se suicider. C'est une idée plutôt suisse. Donc, pour l'instant, on n'est pas à beaucoup de temps. Plutôt plaisant, hein. On va pas se le cacher. Qu'est-ce qui se passe? Oula, méga taupe. C'est un boss. C'est une boss taupe. Qu'est-ce que je suis censé. Ah, d'accord. Je suis censé lui balancer des boules de merde là, la gueule. Avec la musique qui devient inquiétante. Je sais pas si vous l'entendez, mais. Oh! Qu'est-ce que c'est? J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je. Regarde. En autre terme. Il faut attendre que cette connasse se mette là et me fasse chier, oui. Je. Parce que c'est un corps. Voilà, maintenant je suis baisé. Attends, voilà, on suicide. En fait, vous allez comprendre très vite. Hein. Du coup. Et j'espère que les bruits vont vraiment être tenables hein, pour vous parce que. Non. Ah non, c'était de l'autre côté qu'il fallait que j'aille. Ouais, mais là, tu peux pas passer à travers en fait. Alors, voilà, tu vas obligé de te prendre le double coup. Je pense que c'était plutôt déçu. Non, voilà. Là, faut arrêter de se foutre de ma vie à un moment donné. Voilà, Across the World, hein, c'est ce que je disais. Oh, ce génie. D'accord. J'aime quand ça marche pas du tout. Non mais sur sa gueule, je veux que ça tombe sur sa gueule. Allez, reviens petite. Attention à son pompe. Tiens, dans ta gueule. J'ai plus qu'à me laisser là en fait. Je bouge pas. C'est vraiment le fun. Hein. Même le chat il s'emmerde, regardez. Tiens, voilà, hop, dans ta gueule. Oh, tu en as deux? D'accord, donc là, il a ramené toute sa clique, autant dire. Non. Non, mais. Toujours plus. Ah, bah, la mort d'un chat. Bon! Aïe! Je viens de me donner un coup de PC. Oui, parce que je joue sur PC portable, hein, et la tristesse est très violente, hein. Faut qu'on se le dise. Ce genre de choses, on doit se le dire, avant tout. Voilà, donc là, tac, dans ta gueule, on commence déjà très fort. Je pense que c'est la dernière fois que je vais réessayer, parce que bon, je veux bien qu'on se foute de ma gueule, mais à un moment donné, d'accord. Ouais, voilà, à un moment donné, faut arrêter. C'est plus possible. D'accord. Donc là, on s'est bien foutu de moi. Tiens, alors là, t'as même pas eu le temps de sortir, mon coco. T'as déjà pris la boule. Non, non, trop tard. Ah, si, je l'ai eu. Quel génie. Tant dire que c'est la meilleure position ever ici.
D'accord, merci, petit chat de merde. Allez. D'accord, merci. Allez. Ah non, mais... Mais c'est trop chaud. Comment tu... Oh, voilà, comment tu veux truquer ça? Comment tu veux y arriver? Comment tu veux pas perdre de vie sur ce jeu? Comment là tu veux pas perdre tes nerfs vite? Très vite. Je suis censé lui caler combien de coups? Parce que là j'aimerais bien en tuer une. Est-ce que je l'ai eu? Eh oui. Alors là. Alors là, vraiment j'ai rien compris. Donc. Oh non! Oh non! Oh, j'ai loupé un truc d'ailleurs, regardez, j'ai loupé des cravates, des trucs à la con. Ah non, alors là. Je me sens violé jusqu'à dans mon âme. Ah non, attends. Je vais pas faire un deuxième niveau. Hein. Enfin, le troisième techniquement, mais on s'en fout. Je vais juste le charger pour voir un petit peu à quoi ça a l'air, pour vous montrer un petit peu le troisième niveau. Et je pense qu'on va se laisser là, hein, parce que bon, là, il y a. Il y a même plus de respect, enfin, je veux dire. Le quartier des gothiques. Il est joli celui-là aussi. Banker. King Magnus. Non mais par contre, là, faudrait arrêter ce foutre de ma gueule. Le truc. Le bordel. Donc, j'espère bah, que cette vidéo vous aura plu, hein, tout simplement. Sur ce jeu un petit peu what the fuck, d'accord, merci le chien. Donc on va se laisser là-dessus. J'espère que donc, cette vidéo vous aura plu. Hein. N'essayez pas. Petit bug de ma part, hein, excusez-moi. Je sais pas, je suis pas très bien échauffé de la voix, hein, comme vous pouvez le voir. Un professionnel devrait toujours, s'échauffer la voix. Bon, je sais même plus ce que je vous dis. Il commence à se faire tard en fait. Hein, c'est pour ça que je commence à péter un câble dans mon, tout seul, hein, comme un grand. Et donc. N'hésitez pas à liker cette vidéo, hein, si ça vous a plu, si ça vous a fait rire, parce que c'était le but, hein, c'est que ça soit complètement con, hein, du début à la fin. Et vous abonner à la chaîne si ça ce n'est pas déjà fait, hein, parce que c'est très important, hein, n'oubliez pas. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous raconter, tout ce que j'avais à vous dire. Trop chaud, pas grand chose, mais bon. C'était Dark Moon, et à la prochaine.